dans cette édition d'information et merci d'être sur votre chaîne préférée Alliance 24. Audience ce 25 novembre à la présidence de la République, le chef de l'État, le général de corps d'armée Mahamat Idriss Deby Itno, a reçu le président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale Fortunato Bojama. À l'issue de cette audience, le chef de l'État l'a élevé au rang des commandeurs de l'Ordre national du Tchad. Reportage télétal. La Banque de développement des États de l'Afrique centrale est l'un des acteurs majeurs dans le financement du développement au Tchad. Fortunato Bojama, le président de cette institution bancaire, ne rate jamais l'occasion de faire le déplacement d'N'Djamena pour s'enquérir des avancées, des programmes et projets financés par la BDAC au Tchad. Sa dernière entrevue avec le chef de l'État, le général des corps d'armée Mahamat Idriss Deby Itno, remonte au 15 septembre dernier. Lors de cette rencontre, des orientations ont été données quant au partenariat entre le Tchad et la BDAC. Il est de retour aujourd'hui à N'Djamena, informer le président de la République des avancées réalisées dans l'exécution des programmes et projets en cours. Mais étant donné que les hommes passent, mais les institutions restent, le mandat de Fortunato Afombo Chama à la tête de la BDAC tire à sa fin. Il ne lui reste que quelques mois. Il a été nommé à ce poste le 17 février 2017. Pour tous les services rendus à la République du Tchad au nom de la BDAC, le chef de l'État a tenu à l'honorer. Au nom de la République, et au nom encore du commandant de l'Ordre national du Tchad. La reconnaissance, c'est la mémoire du cœur, dit-on. Mais pour sa part, Fortunato Afombo Chama dit ne pas s'attendre à cette distinction de la part du chef de l'État. Lors de notre dernière audience, il m'avait instruit de venir lui rendre compte deux mois après des instructions qu'elle avait bien voulu nous donner, les orientations de ce moment-là. Donc on est venu pour effectivement lui rendre compte de l'exécution de ces orientations. Mais à notre grande surprise, on se retrouve qu'on est décoré et c'est quelque chose qui nous touche au cœur parce qu'on n'attendait pas. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, le compte rendu des instructions issues de la dernière audience a été fait et il en est satisfait. Pour Fortunato Afombo Chama, le partenariat entre le Tchad et son institution, qui date depuis sa création le 3 décembre 1975, est appelé à se raffermir davantage pour offrir de meilleures conditions de vie à la population à travers le financement des infrastructures socio-économiques. Pour prévenir les conflits agro-pastoraux en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, un colloque régional sur la sécurisation du front CIR organisé du 23 au 25 novembre 2021 à l'hôtel Legia Plasia. L'occasion pour le ministre de l'Élevage et des Productions Animales, Dr Abderrahim Ouattara Adet, s'exprime ses sentiments vis-à-vis des participants venant d'ici et d'ailleurs du Colombe Grasse reportage. La question foncière et agro-pastorale se trouve au centre des défis puis enjeux d'accès au droit à l'alimentation par conséquent et exige impérativement l'élaboration des politiques foncières ainsi que de réglementations intégrant la sécurisation du foncier agro-pastoral qui doivent constituer la priorité des États. C'est pourquoi, durant 3 jours, ils ont débattu des présentations, des analyses et expériences se rapportant à la réalité du foncier agro-pastoral, des conflits au Tchad et ailleurs, tant sur le plan de leur caractérisation que sur leur mode de gestion et leur impact sur l'économie. Le 23 novembre 2021, nous avons procédé dans cette salle à l'ouverture officielle du colloque régional sur la sécurisation du foncier agro-pastoral et prévention des conflits en Afrique du centre et de l'ouest. C'est avec un grand plaisir que nous revenons pour procéder à la clôture des travaux. Je crois que ce colloque qui vient de finir a été un succès. J'y crois parce que nous savons que c'est un besoin du gouvernement et des communautés rurales. J'y crois encore à cause de la qualité des déclarations assorties des travaux. À cet effet, je voudrais de prime abord adresser mes félicitations aux organisateurs pour avoir conduit à bon port cet important événement, mais également à l'ensemble des experts pour les résultats obtenus. Grand merci aux experts venus de l'extérieur et spécialement pour mettre à profit leurs
inestimable expérience sur le sujet, que les différents partenaires qui, de manière péremptoire, ont cofinancé ce colloque notent notre profonde gratitude. Mesdames et messieurs, chers participants, 3 jours durant, vous avez suivi et débattu des présentations, des analyses et des expériences se rapportant à la réalité du fonctionnement agro-pastoral et des conflits au Tchad et ailleurs, tant sur le plan de leur caractérisation que sur le mode de gestion et leur impact sur l'économie. Pour aborder pleinement les préoccupations majeures, vous aviez procédé à l'analyse des 4 grands axes définis lors de la préparation des colloques, notamment le processus d'élaboration des politiques foncières légitimes légalisées, les statuts des terres agro-pastorales et des communes et des communs pastoraux, les dispositifs de gouvernance responsables du foncier agro-pastoral, les mécanismes d'information et de défense des droits par les agriculteurs et les éleveurs. Je ne doute pas un seul instant que la qualité de communication et le haut niveau des débats ont permis d'appréhender l'intérêt de la sécurisation du foncier pastoral et la prévention des conflits. Le climat convivial ayant caractérisé ces 3 jours de travaux a été grand par rapport aux résultats obtenus. La table ronde finale, dont les ministres ici présents ont pris leur précieux temps pour participer, constitue une véritable avancée vers une approche interministérielle. Les recommandations finales soulignent l'importance d'une réflexion commune sur ce sujet qui est un enjeu pour l'avenir économique, social et environnemental du Tchad. Au demeurant, maintenons ensemble la dynamique engagée. Mesdames et messieurs, l'importance stratégique du secteur rural en général et les sous-secteurs de l'élevage en particulier dans l'économie n'est plus à démontrer. La croissance économique, une aspiration commune, constitue une préoccupation permanente du président du Conseil militaire de transition, le président de la République, chef de l'État, le général des corps d'armée, Mamad Idriss Déby Itno. Cela se traduit par les orientations concrètes mises en œuvre par le gouvernement sous la conduite de M. Païmi Patake Albert, premier ministre de transition, chef du gouvernement. Que l'Union européenne et l'AFD trouvent nos remerciements pour le financement du programme Pastor ayant permis la réalisation de cet important travail. Mesdames et messieurs, avant de terminer mon propos, je réitère mes félicitations à tous les participants pour leurs précieuses contributions. Aux médias, recevez nos sincères remerciements pour avoir relayé. L'importance stratégique du secteur rural en général et le sous-secteur élevage en particulier dans l'économie n'est plus à démontrer. Un nouveau consulat a vu le jour ce 24 novembre au quartier Béguinage dans la commune du 2e arrondissement. C'est la République tchèque qui a installé un consulaire au Tchad. Une cérémonie qui a vu la présence de plusieurs personnalités. On fait le point avec Mamad Toukour. C'est par l'hymne national des deux pays que la cérémonie d'installation du consulaire honoraire de la République du Tchèque au Tchad a commencé. Était présent à la cérémonie l'envoyé spécial de la République tchèque pour le Sahel, Thomas Lugny, et le consulaire honoraire de la République tchèque au Tchad, Brahim Siam, ainsi que plusieurs personnalités venues pour la circonstance. L'envoyé spécial de la République tchèque pour le Sahel, dans son intervention, souligne les engagements. L'ouverture de notre toute première représentation diplomatique au Tchad est l'expression de notre volonté d'intensifier nos relations avec le pays. Pour la République tchèque, la région du Sahel à laquelle appartient le Tchad représente aujourd'hui la première priorité de notre politique étrangère sur le continent africain. Ça sera notre priorité au cours de notre présidence de l'Union européenne l'année prochaine. Au cours des dernières années, la République tchèque est devenue l'un des principaux contributeurs à la sécurité et à la stabilité du Sahel. Nous avons le deuxième contingent le plus fort de la mission de l'Union européenne de formation et un nombre important de troupes de combat
au Task Force Takuba dont le quartier général se trouve ici à Djamena. Brahim Siam, consulaire honoraire de la République tchèque au Tchad, a salué la présence de tous avant de relater les missions principales du consulat. Je voudrais saluer tous ceux qui nous ont fait l'honneur de répondre présents à cette cérémonie officielle marquant notre installation en qualité de consul honoraire de la République du Tchèque en République du Tchad. Je saisis aussi cette opportunité pour exprimer mes sincères remerciements à ma profonde gratitude au général de corps d'armée Mohamed Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, et son Excellence M. Milo Zeman, président de la République tchèque, pour leur confiance placée à ma modeste personne, en me nommant à ces postes aussi stratégiques et importants. Il faut rappeler qu'une coupure de ruban a mis terme à cette cérémonie. Le président de la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel a lancé la cérémonie de la 4e Assemblée générale élective de la Ligue des journalistes arabophones ce 25 novembre à la Maison des médias. On fait le point avec Donatien Rakidan. La Ligue des journalistes tchadiens arabophones est née de la volonté des journalistes arabophones de faire la promotion de la langue arabe afin de lui donner la place de la deuxième langue du Tchad après la langue française. En cette journée du 25 novembre, la Ligue des journalistes tchadiens arabophones, 4e Assemblée générale, en vue de l'élection aux nouveaux membres du bureau. C'était en présence du représentant du ministre de la Communication, du président de la AMA et du président de l'Union des journalistes tchadiens. Après les mots du président de l'Union des journalistes tchadiens, félicitant les journalistes arabophones pour leurs efforts, le directeur du cabinet des ministres de la Communication représentant le ministre a encouragé les journalistes arabophones à plus de travail et à la communication. Le président de la AMA, Dieudonné Diounabain, lançant officiellement la cérémonie de l'ouverture de l'Assemblée générale, appelle les journalistes au professionnalisme. Je vous invite à surpasser les discours idéologiques, politiques, les barrières culturelles et le mauvais héritage de l'histoire tumultueuse de notre pays. Vous êtes locuteur et locutrice de la langue arabe. Permettez-moi de vous le dire, je le répète, je l'avais dit déjà, lors du séminaire de formation des journalistes financé par la coopération turque, vous êtes locuteur et locutrice de la plus belle langue, la langue arabe. Quelques attestations de reconnaissance ont marqué les temps forts de cette assemblée générale. Après la cérémonie d'ouverture, les membres de la Ligue des journalistes arabophones tchadiens ont passé au vote de deux candidats au poste de président de la Ligue. À la suite du déploiement, le candidat Saleh Younous Ali est élu président voix majoritaire. La violence en milieu scolaire prend de l'ampleur ces derniers temps. Les enseignants en sont victimes de certaines formes de ces violences par les élèves. Ce sujet retient l'attention de notre reporter Ahmad Moussa Kali. Suivez ce chef d'établissement qui se prononce. L'éducation, c'est d'abord la maison. Un enfant qui est bien éduqué à la maison présente les mêmes caractéristiques. Le grand problème, c'est le problème de la base. Si les parents ont une expression pour bien éduquer les enfants à la maison, nous ici, nous allons faire le complément qui va passer. Donc, c'est des enfants mal intentionnés, mal éduqués, sont ceux-là qui sont à l'origine de ce problème. Donc, il faut une conscientisation. Il faut chercher à préciser l'élève pour dire que l'école, c'est un milieu de brassage, d'apprentissage, et non pas un milieu où il faut venir utiliser la violence. Donc, un enseignant est d'abord au secondaire. C'est que les parents ne peuvent pas faire grâce à vous, l'enseignant est en train de faire à la fois du papier des parents. Donc, c'est le risque de consacrer à faire qu'ils puissent prendre sa personne. Et ça pourra un peu être modifié. Aujourd'hui, si on n'a pas encore eu ce cas, mais nous, on a pris notre disposition. Chaque matin, on fouille les élèves avant qu'ils puissent avoir dans cette classe. Les parents, on leur dit de suivre les enfants à la maison. Parce que eux, certains parents ne suivent même pas les enfants. Ils viennent, ils déposent des enfants à l'école et c'est fini. Qu'est-ce que l'enfant fait? Est-ce qu'il écrit? Est-ce qu'il parle? Tout ça. Donc, ce que nous disons aux parents de nous aider à notre métier d'enseignant. S'il ne faut pas qu'il laisse seulement la tâche sur les enseignants eux-mêmes, il faut qu'ils puissent intervenir tout ça. Ainsi donc prend fin cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur ANAS 24 et à très bientôt. Au revoir.